Eh bien, salut tout le monde, c'est Psychotique et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sony Vegas Pro 10. Donc, je fais ce petit rave commentary pour vous expliquer comment s'en servir. Comme vous le savez déjà, Sony Vegas Pro, c'est un logiciel de montage vidéo, donc c'est pratiquement tous les youtubeurs utilisent ça. On va commencer tout de suite. Prenez votre vidéo. Moi, je prends ça. Déjà, vous commencez. Donc, par exemple, si vous voulez mettre votre intro, moi, je vais mettre mon intro. Donc, elle est ici. Voilà, donc. Ah non, ça, on va glisser ici. Donc vous mettez votre intro au début et après votre vidéo. Donc au début ça va donner ça. Donc ça donne ça, et comme vous l'avez sans doute remarqué, ici il y a des bandes noires qui gâchent un petit peu. Donc pour corriger ça, il faut aller dans. Donc ici, la vidéo, vous cliquez dessus, faites clic droit, propriété, et vous décochez conserver les proportions. Donc ça donne ça, et puis il reste encore une petite bande noire. Donc, attends, je sais plus comment. Ah oui, je crois que c'est ça, à mon avis. Ah ouais, oui, voilà. Donc, enfin, voilà quoi. Vous faites comme ça. Attends, je me rappelle plus, il y avait un truc. Ah oui, voilà. Donc, vous prenez format d'image Academy 1.85. 2.1 qui est tout dernier normalement. Et puis après on n'a plus besoin, donc on fait ça. Et puis pour mettre une color correction, voilà. Donc ah oui, voilà. Vous faites ici effet de piste. Vous prenez correcteur de couleur Sony. Vous faites ça, et puis ici vous prenez RVB Studio vers RVB Ordinateur. Et juste ici, il y a écrit 1,164. Vous remplacez par 1,300. Puis après, ça donne ça. Donc, sans color correction, ça donne ça. Et avec une color correction, ça donne ça. Donc après il y en a des autres que j'ai vu dans une vidéo de Home Gameplay. C'est donc c'est oui c'est celle-là, attendez. Donc on décoche ça. Vous prenez correcteur de couleur Sony secondaire. Vous prenez lumineux. Non. Ouais, je crois que c'est ça. Attendez, je. Vous prenez netteté Sony. Et je crois que oui, on prend luminosité et contraste Sony. Vous faites OK. Donc ici, vous prenez. Enfin, non, je crois pas que c'est ça. Ici, vous prenez psychotique. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, mais bref, ici, vous mettez 0,250. Correcteur de couleur Sony, donc vous mettez. Donc ici 0, 1,665, 1,00, 1,00 ici, 0,0, 1,00. Puis après, en fait, vous touchez à rien. Puis là, j'entends mon frère qui tape une barre. Donc voilà, ça donne ça.
Donc sans color correction, ça donne ça. Et avec une color correction, ça donne ça. Donc je trouve que ça fait beaucoup mieux quand même. Puis si on rajoute ça, ça fait encore mieux. Donc moi perso, je vais tous les mettre. À part luminosité et contraste Sony, c'est pas ça, je me suis trompé. Ça, il faut oublier. Et puis voilà, ça donne ça. Donc voilà, non, tout est dit, tout est fait. Donc ça donne ça. Intro et maintenant les vidéos. Donc voilà ce que ça donne à la fin, donc bah, c'est pas mal quand même. Et puis pour rajouter un logo, donc oui, vous faites ouvrir, puis vous choisissez votre logo que vous avez fait, hein. Donc moi perso j'ai fait avec Photoshop. Je ferai un tuto pour comment faire des logos et des backgrounds comme celui-là. Bref, vous ouvrez votre logo. Donc vous mettez ici. Vous faites durer tout le long de la vidéo, donc sinon ça va pas me faire. Hein. Et puis qu'est-ce que j'ai. Ah non, en fait vous le mettez en haut. Et oui, vous le mettez en haut, oui, c'est ça. Puis on va me rétrécir, donc je sais plus trop comment on fait. Attendez. Ah oui, vrai. Donc prenez. Ah non. Donc il faut que j'abaisse. Hop là. Hop là, voilà. Donc maintenant vous prenez ça. Donc oui. Après vous m'abaissez à votre envie. Vous tournez comme ça. Vous mettez ici. Ici, terrain un petit peu gros. Voilà. Donc vous le mettez où vous voulez après. Hein. Moi perso, je vais le mettre ici. Je trouve que ça fait bien. Et puis, et voilà. Hein. Donc, après, je crois qu'on a tout fait ici. Donc, voilà, rendu. Donc voilà, ça donne ça à la fin. Je crois qu'il y a un petit problème. Je crois que la color correction s'est enlevée, donc on va la refaire parce que comme j'ai changé de truc, ça a enlevé quoi. Donc luminosité. Ah non. Non, pas ça. Ici, attends, où c'est netteté Sony, netteté Sony. Hey. Attendez, je retrouve pas. Ah voilà. Donc là vous. Enfin vous remettez un RVB 300. C'est psychotique. Et psychotique. Donc voilà. Voilà, donc ça rend beaucoup mieux, ça fait ça. Hein. C'est quand même beaucoup mieux pour moi. Après, il y en a d'autres, mais bon, je reconnais pas personnellement. Cette color correction me convient parfaitement. Donc, je crois que tout est dit. Hein. Donc, on va se quitter et puis, bah, à ma prochaine et portez-vous bien. Hein. Donc, ah non, j'ai oublié. Certains vont faire enregistrer sous enregistrer, donc faut pas du tout faire ça. Faut faire rendre en tant que. Et puis oui, bah en fait faut cliquer sur rendre en tant que. Parce que si vous faites ça, bah c'est mort quoi. Donc bah reste cette fois on va vraiment se quitter.
Donc, à la prochaine et reste cette fois, portez-vous bien. Allez, ciao.